Sans plus tarder, pour développer ces quelques sujets, nous aurons premièrement Mohamed Diop, ensuite ce sera Charles Zoumanigui, puis Amadou Negueba et Candace Moyerelenko Kondé. Après les quatre intervenants, nous aurons deux invités spéciaux. Le premier, lui, c'est Abdoul Karim Diallo, coordinateur des fédérations UFDG de l'Europe, le tout nouveau coordinateur. Et le deuxième invité, ce sera la grande surprise, l'ancien Tigibéri Keita, fédéral UFDG de Sigiri. Ensuite, à tout seigneur, tout honneur, ce sera le tour du président élu des Guinéens. Sans plus tarder, nous nous excusons d'abord auprès des militants et sympathisants et de tous ceux qui suivent la présente assemblée. Nous avons accusé 27 minutes de retard dû à des questions de logistique. Nous nous en excusons. Nous commençons cette assemblée avec une pensée particulière pour les détenus politiques, notamment ceux qui sont hospitalisés. Oumar Sylla Foneke Mengue, le vice-président Ibrahima Chérif Ba et Ousmane Gawal Diallo. Nous prions que Dieu leur rétablisse le plus rapidement possible. Place à Mohamed Diop pour l'intervention en langue soussou. Salam alaikum. Monsieur le Président Irabin Yebouma, Madame la Première Dame Ifangabin Yebouma, Safé Moura, vice-président Fari Nare Magoro Beto, wa salam alaikum. Mourobara Wotantou, Monsieur le Président, Mirigamouife Falarembe, je l'ai vécu moi-même. Alara Yafa, Président, l'ancien compte-moi. Président Lansana Conté Amasséné Lorondé, prophète Ndé Nan Khamane Yaraba et nous démocratie fait falla autrement dans une préfecture. Et toute démocratie fait falla folo, monsieur Lansana Conté, notre président Alraya Fama, Anara Kelly, Anara Wona Wendana, droit de l'homme, Khamirinara Anganou Ababa Binya, Anminu Turkima, Anu Betenganou Ababato, Anabinyamane. Nananaki, la Guinée to wona nare président Lansana Conté na ram falaoro monsieur le président Mourbara Kolon sagesse barakeli la Guinée éducation barakeli la Guinée fasagilima droit de l'homme to hayato président Alpha Condé Moussa Sommet fepe gata ramara miriana mbara khurun la Guinée ke bara perdre rali la Syrie yara violation na ram na ba mato la Guinée A Baramasse Ndouné Rungonibé, président Alpha Condé Tamboudaga son nom, a Radoro, assemblée sur le plan international, a ramassé Ndé Tongo, parce que Mirinara n'a pas mou Ibunada Maya, Binya. Donc, Nakui, Fouti et Baramato, sur le plan national, sur le plan international, Alpha Condé dans la Guinée. Parce que, sagesse, à moi, y. Notion droit de l'homme, la notion Abar Perdara, a fait mission nare la Guinée, Abar Narabolo, Mourobara Kolon, Amater Namfara, Serotureyara, Ara Mangea Tofana, son Yolo Yala, Fote Nara Rara la Guinée, parce que Abengre Bartagan.
asinge. Afriande, do ko naganu narungu kuye fore. Ba wonata droit de l'homme kere nanfe falafe. Mora vice-président, docteur Ousou Fofana, médecin ou bien pharmacien, arake la yete kan naba, araya yete kan dandan. Do kwe nare nou na dimi, amu minima. Pe ibu nada maya sigar mide. Agundi bara amasen, aya, khafera, e ga ampeche fe nara no manyede, amu sika ra dandan. Donc, nanana ki wonga kolon, la Guinée-Ké, nyama, wonfana, pouvoir nara nire ileri sonon. Khanmara, démocratie moufa, ibore tamfanga fura, aga fala aga sika ra dandande, e ga ampeche. Donc, Moura vice-président, Abara Sabari, parce que UFDG finit parti nana, parti nare kuntige, anou la Guinée mire nare sabari, ne nan malangi entité kui. Awa, nare yon manarama, monsieur le président, Abara fire mourobe alo perkali. Fasa gilima, lansana konte woye naran folo, elas Mamadou Sélou Dalen, itanam fafe nare yonde, parce que dunia bara mato, la Guinée ke bara mato, ira sabari, ira éducation, à la fafe la Guinée rek bilendema, nana i invitation soto lome, ira siga, ira moura économie fefala. Malgré bara empêché, ira intervention sur les réseaux, dunia bara kolon, talam rinira, e mounome lole naroude. Donc, hangwen tongoto, moufa ma a ronkouyade, on va ma halati nana ra sala la momadu mbara ma kadre rebu. Je vous remercie. Merci à Mohamed Diop. Nous le félicitons et nous invitons Charles Zoumanigui. Dini takeni na uruasu adamasa kwa ezini vatu ya zumanga elaj president selu de lengyalo na tuwagi ya ziluzuma na tuwagi ya ziluzuma no vice president jitu bintima nga onura Alain Touré nga onura Fode Ousou Fofana nga adapre madamgi aja alimatu de lengyalo nga onura Kalimoudou Yansane eda zilimono onura Alou Kondema na tuwagi ya zilu tipatima weti blagi uvai uwa tangizige uwa puke uwilo ima vema galal me azu peuma kalam bra kazuna na into 28000 tuwiru geza adagala benima ve adada umna aduzu fe adu gaga tife boya prefer adawima vama with benu wiru ga ma vema na umama su ama vema moji aga bageza mani adaga bo tuwira su adalu ima we veva adayu ima we veza tozi ba adu bogega demokrasi gi amaga da masada zorona e maneva e manda gi ga gla e kafli e wana nulu gwa e suoro alfa kone pasu e masada inza wa siezo roga anre ki e wigit pe inza ti ebe ga adva nou no pepul la mo glini ga adi zaya azu adi agra kbe ka adma anre ki e wigit tlamo wazu la la gine nuit nou no pega mo wazu ga adi to e ban wigit za ti ebe ga adva adabe no pega mo lizu vila adam masagi eve zeni ti tolige Massa pour Flogo, titulo ligue 8 azu, ve manen titu galebana. Galebana tajna la sigimanga, conférence internationale pour le financement des économies africaines après Covid. A ma conférence qui manen titu galebana, pour que ti vite dagabo, pleta kela, toujours fezu, ti ve nouma le zwin ti ban, toujours fezu, tu walizo, tawin ti diversu vila. Kleza, te e ma ve ba asu e oti manga na troisième mandat fait que ni yanzo nu no pegramo tul ni minata na pe kaya pese vena adam vice president gi ever treize manga onra fo de Ousou Fofana grage kwe grage sibel kada grazia e ya po elu 8 azu ezu fezu e na kada gi mazo kaya alfa konde ona regime bizale la zone tobe adam vice president gi va ezu fezu elu france pour que e na kada gi mazo an pin kaka feti Malanenza adaba yizibu zaya azu adla man adaba bwebu adida zibe tlabe gadeba adli adbo wedem adazo na minan
ada président warang ada gune ado ko ga toga ancien premier ministre gi e économie gi wa e pri ada da filé ada da nye vula ga filé en akeng yitia junit pin ti lu ge ban mangre que tla jo sous a toga be ban e jo fez e wura eli ada ri ti lu ge ban ti manga jo fez eli conférence internationale de l'OMC sur l'éco éco gi ga walini ado po e jo fez et regarde nous malheureux une petite pays et tira bon au lieu est-ce que nawali a jassé adapo regarde walula et tiens y'en gagne quoi walula man que plus adapé la walina jo et adapé tiens les villa à marisiera tu plagues adapé dans gima souffert et bon na ma somme gizou et ne est-ce pas ben à ma grâce ouza ouza gavabrésil namna na pogo emna gavoma ou mama wilson ma vema adapé anamna yeta jinken. Merci, merci à Charles Zoumanegui. Charles Zoumanegui, oui, d'abord Mohamed Diop qui est communicant. Ensuite, Charles Zoumanegui, que nous remercions. Charles Zoumanegui est membre de la coordination UFDG de la Guinée forestière. Nous invitons Amadou Negueba, communicant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aray mido hiwro on fo taw ele kongol president on seldu dalen giallo president eli president de la republique e sonna mabbe hadji halimatu dalen giallo e vice president docteur Ousou Fofana e docteur Kalemudo Yansane e general Aliou Kondé e direction nationale on e kala e invitabe do e wombe en darude ka woni ka mendo eleede janane den haraabe fo mabbe be hiwraahi be salminaay be weltana e komba mo be woni waddo hay en yewtay do hande fi o reje alpha konde bayon yi neddo stay taw neddo lamoto wonay taw neddo holaado mardo holaare woni ka leydi makko e ka leede janane hande non alpha konde wala den holaare don hay nokko o holaaka ka makko do holaaka ka leydi janane parce que kanko o yeggiti taw hay Allah no jabi banu adama ko teddintedum kono alpha konde ala e teddungal e banu adama wala yurmende e banu adama ko dun don taw woni probleme makko arano en yi e ko feji ko 22 mars yimbe buy warano yo Allah fewne yafobe e yimbe buy nanga soka e 22 mars dun don feji o election presidentielle mo yawden do le 18 octobre 2020 e yi kadi ko feji kondon bay alpha konde moné makum hen mo wondi on bay o perdi election on e yimbe ben yalti weltagol ko d'abord ko président men woni kon eli e ko tawata kon bay guinéen fawno falano to tawata e alternance waday ko déclenche do violence on violence mo déclenche yimbe buy wodi warabe wobbe nangama soka on yi hay joni wodi responsable même buy honorable Ousmane Gawal Diallo l'autre vice président Sherif Ba yimbe buy Etienne Soropogi Fonike Menge yimbe wodi yimbe buy e tawata militant be tawata yimbe be buy andano inde mu wodi nangabe ben don fo hay joni no soka ton tawata nder ko be soka kon fow kadi ha hande be wod be nyaawaka taw joni sari hay e goto ala ka menga tawata ko wi'ata goddo no waawa nangede soke ni tun hara o nyaawetaake kanko alpha konde ko dun don o wari kanko e groupe makko joni non bay communauté internationale yi dun don tawi kanko on o inscrivi ke joni e nder dictature parce que yiden andi taw source problème fo ko honto woni o wadi mandaji makko constitutionnel din joni o changi constitution on fi yo hebu moyenji de façon illégale dun kadi o changiri mo o fanziri dole bayi mo mari l'armée de mo jogiti banque centrale ko dun don fejjuno communauté internationale on dari joni alpha konde wawa ta tawede e rencontre ji internationale din bayi o dernier rencontre do yimbe personnalité be président be buy wodi ko fotti
France fi walita gol leede bale en gaale de afrikon fi de nawnaare onde sonjude adna kono yidun don enen lando men o lando mabbe o bay o do wona hande kadi lando guinéen o do wowlata hande kadi e lan inde guinéen ko inde groupe hun won maintenu ko mo woni o wowlude inde mu be estimi wawata tawede on rencontre don joni non ko burata mettude guinéen ko tawata ko on bénéfice mo lending hebayno on tawata en wawata hebude dun don bonem Allah sabu hande be wombe do o groupe do tawata ko inde mabbe ko fi profutugol e dum wombe woni be nanga wobbe be wara wobbe be soka wobbe haray si dun don feji en den tini kadi vice président men on docteur Ousso Fofana e be ampesuno be yaltugol e leyndi tay be sellay be fokkiti yawde nyawdagol bay don andi 10 ans alpha conde o wawal créer gol condition ji tawata si guinéen jo nawni o wawa nyawdade do tawata o haton jina e yaltugol e leydi men di yahano ko go nyawdo bay non kanko o wawali wadde dun don joni si goddo nawni kadi o haton yini e yahugol kaw tanjini o wawa hebde cellal alpha conde e wi o yaltata sabu hen simplement hen parce que e himmo monani hay joni o wawali 10 heures gol ko tawata kon jine en fow exprimer ke tay hande kadi lam makungu gayni mettutude yimbe ben hande kadi falama yo uwe hore lending e joni mo suti ko wana docteur Ousso Fofana en ko nandite sifa ben woni ko wakili no jokki no woni bawo president men on fi o combat mon de wadde do e si dun don feji e president men on e adressa no teddungal molnangal ngal teddungal non wona fi kambe tun president on wona fi parti on tun ko leydi dim fo bay ko yimbe buyi e der Afrique tawata ko andube fi economie fi jawle ko honno e sonja yaltirta e der leydi leyde men den Afrique do woni ko fottiti fi yewtugol fi dun don anda ko honno solution ji e borta kono na won do noddete don ko noddete don ko andudo fi mu e mardo giggol fi leydi mun din e holludo wonde e hino waawi apportugol goddugo don tawata si gollitirama waway nafude leydi men di nafa Afrique fo e ko dum wadi si ben be solliciter president men e Lyon yo tawe e ndey yewtore kono yi hen makko on kadi kanko groupe makko on be empêche do o procureur jido wadi déclaration joni ko en famali est-ce que bay première déclaration on ko mafanko wadano e galdo non ko diksin do wada e ko tribunal hombo woni competent jiju gol on affaire mo be reprocher bay ha ka wonden do notification hay e fous wona o dal ko hendi president on wonde manna hibe wawata yaltude leyndi donc dun don fo ko holliri sariaji din be ala respecte gol saria hajma be ala dum hen mo be marani leyndi on be marani sel president selu e l'IFDG ko dun don be jokki be woni wadde haray sim yetti halakan haray ko haa do on yafato salam. Merci Amadou Negue Ba, un excellent communicant. Nous invitons Candace Moyerelenko, son petit nom. Ah, Yerelenko. Mansa Yerelenko Kondé. J'espère qu'il va nous donner la définition de Mansa Yerelenko avant de prendre la parole. Tout à fait, oui. Monsieur le Président, avec votre permission, Madame la Première Dame. C'est bon? Ok. Voilà. La Guinée, Kenny Mousso, Denis Nimoba, Ndele Candace Kondé, Aïfola Mako, Candace Mansa Yerelenko, Kanasal Fetele Mendo, Kalbaru Nyonya, Koluka Minue Tamiran Najamana Kono. Denis Nimoso, Kenny Mouba, Mini La Guinée Kono, Mini Akokan, Kanasal Makalufu, Kafo Ko Tisekumata, la Nima Mirialawa, Anna Moloma Mini e Bolo Robi Mini e Kasola. Sema Yembi e Mankende e Lanin Laptani. Ale Fadila Sema. Sema Fana Yen, Ulbara Kabi Sayafredi, Ululanin Gabrusoro, Ale Argana Di Woluma. Kana Fualinye, Ko Anna Jamana, Ko Ako Mankan Katamanko, Ko Ambe Lagina Bafo, Ko Lagine, Ko Ambe Tali, Lagina Ko Ba Ulambe Lekanka Mina Ko Kelena. Wole na kene andolu anan temasiri ni kafo ko elaj selu dale anyale le ko parce que en calon ko ale le dise la Guinée ko la benna la Guinée nya mimma bi
Kafoko le 28 septembre 2009 Tambikoro. Moi aussi traité Amiri Kwandi Minakanta Kansi Banjanka et comme ma communauté internationale là-bas. Andun sinimba wole kambi. Wo jamana lu min sinimba wolu kan jamana le minu jamana kono denu kuna folente bolo muna bay ba wa fam fam bolo le leto la. Sariati buyale la jamana lu kono. Ayi joro mindo bi le 28 septembre 2009 Faida mo keme ani mo bilolu wole fara stade du 28 septembre. Wo tambi ko ranka mirile. Koni démocratie donna la Guinée en commença selon en wato nyele. Jamais at entre ta miri ko sayasu wo kafo ko ka mo fayo subo ko tretike. Ado ani joro mindo bi. Faida wole ro depuis 2010 nanda konté adu hang mo keme flaninko. Amolo mo min ne fani. Akona ma moye saria bonda. Foi. Mo mamina koro foi mo liye fala yosubulu. Wala la kenin bi la Guinée ni banjanka. Na ya fola ko communauté internationale le bon, c'est que toi bukando nous sommes presque isolés. Isolés pourquoi? Pour la violation des droits de l'homme dans notre pays. Ni mo lo ka mena ya fola ko nous sommes des états souverains, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ka fo mo wolunya. Et Kassaria Minta, moi, si je m'en fais Saria Minta Koro, le 22 mars 2020, et Saria au préambule, la Guinée a souscrit à toutes les chartes, à toutes les conventions internationales. Et en tant que tel, Aminaninko Lema, Aminanka, Ambolonoble Komima, Aminaninko Lema. Donc, Nitubabulu, Karogbe, Kwandolu Kankandi Komindo, Kamako Wobunya, Ebran Nasi Banjanka, amankan ka monet wa wul mankan ne ka koke minda ke anyi bo banjangoka ibarak bay ko wol ro ko minna ke nan sini banjanka ora fo de usu semaine tamine lon tambinindo kala bagage la benka wa fe kawa han aéroport la e wara la lo yende saria dun kan ko ni morning saria ni kele yalte. Ni toi boule kanko, si tu es en conflit avec la loi, c'est bien qu'on de kala wé ma ka de boule, allez mon mimo école la sa. Et le bac il y a fo ko iti menke, ou bien kanka menke. Na malase le ma. De na bo ni mou ni mou, na malase le ma, c'est un taro. Mou, et kanko ni seria y kelero, qu'il est en conflit avec la loi. Ida la long, ida fo ko tu es en conflit avec la loi. Men ni men, an a men de yini la kouro, iman kanka bo jaman akore, de ou fwanyan. Woro obake na ka te uka wa aéroport la lele ka la ulama meka ibidi moro son ka to dona ka molu bloquer ka ke wori ma tien di ke la droit violé de façon vraiment exagérée parce que kodolier mo mankan ka soama et ka fo ngere toro je profite de l'occasion ka fo compagnie Air Francien il ne faut pas se fier aux instructions verbales jamais. Policier min kanka barake wo ya fole ko no ko menti bloqué na ka plainte le ka di wodi sara ka Air France molien e mankan ke greke aéroport commissaire la ordre exécutif la di c'est pas leur travail, ils sont pas là-bas pour ça. Donc ka fo la Guinée kalunien bi joro mindo an kande ka bolo di nyoma na ma bolo di nyoma ndi yetele la bi joro mindo an kande ka saria bunya balia kele na ma kele adira bambe kuna parce que ba moye sewala ka foko men koko men barakala bi ko diminde ile sewala abamenya ma ko di masoro abi masoro lo min da lo ko ko dimin nyala bana muma bunya min dinama bunya min dine lagina ma ka di UFDG ma ka di ela celudalema kafo ko dunia la Afrique mo kraninu na denna joro mindo mini lomedi mini faculté des sciences économiques et de gestion de lomedi faculté wo ka bunya bale kanya ka elage seludalen invité kwa yuwa wori ko min yi Afrique kono kafo ko Afrique be ila den faida a telebe fanfe ko ka wori kelen to Afrique fanworo c'est-à-dire ambe la den wori kele to ambe bulu wori wo e kan ko na na rabo ko akilito le ko eko elai seluda len kilira ko aiwa lome kawa wo kuma lo fo muntambira e kan ko amanti bola
ati bwala kunju mana wo mafo mbadendo alfana yara gbe ni kole wodi mo kan ka son mima iba mo tonye nonte i mo bra ko ke amankan ka minka kili afa ya kwi ka mende ka imankan ka ke men ko so imankan ka bwala gine kono donc e ma son ko ala ise lui wa ka wa ko wo fo lome me ala yo aljin nagbara ya nyami mati ala bra fre men ke moyen e la ise lu ka to bara ya aka kanabo loni minyabulu aka wodi mo woluma afrique belle se woni e la ise lu dale nabi en fanan kan kwan se wonala a fon en surprenante parce que andolti do nako furo ni kambla ni yako c'est que mo sobe la ta kan soso abadan momo ka e la ise lu dale ndo albra ko ni na den ikalon ko momi ye kwa ta kan soso abadan andolie woloro anyi woloro han kafo ko anse to se retourer à l'omina donc ni seraye ndi danye tuma do longbere andina nyonye ka nyon baro ya merci beaucoup je vous remercie merci à Kandas Mansa Yerelenko Kondé je précise qu'il est professeur d'université membre du bureau exécutif de l'UFDG et conseiller communal à Matoto. Donc, nous avons épuisé la rubrique des communicants. Fondamentalement, je rappelle simplement que le blocage de Dr Fode Oussou, le contexte, je rappelle qu'il devait se faire opérer un œil. Et à 72 heures de cette opération, il a été bloqué. Alors, un simple rappel. Vous savez qu'aujourd'hui, le simple visa ne suffit plus pour entrer en France. Il faut une autorisation d'entrée. Et son médecin qui connaît la gravité du mal qu'il a et qui a lui-même estimé, qui a fixé le rendez-vous médical, il s'est mis sur pied, a mené des démarches auprès des autorités françaises et a obtenu du ministère de l'Intérieur français l'autorisation d'entrée de Dr Fode Oussou Fofana en territoire français. Alors, la décision, ce document a été envoyé à la compagnie Air France. Dr Fode Oussou, qui ne se doutant de rien, s'est donc levé après l'Assemblée Générale du 15 mai, s'est rendu à l'aéroport. Il était avec nous ici. À sa grande surprise, l'équipage lui apprend qu'il ne peut pas voyager. Ah, au comptoir même de Air France, excusez-moi. Pas l'équipage, l'équipage c'est au niveau de l'avion. Mais c'est au niveau de la compagnie, au comptoir même d'enregistrement, pendant qu'il faisait les formalités. Le plus ahurissant, c'est que quand on lui a appris qu'il ne peut pas voyager, il est allé vers le commissaire spécial de l'aéroport, qui lui, dans un premier temps, a nié avoir donné de tels ordres. En fait, on est en train de tout tirer vers le bas dans ce pays. De tout tirer vers le bas. Il n'avait qu'à assumer parce qu'il a fallu une confrontation pour qu'après, il soit clair que c'est lui qui a donné l'autorisation, qui a donné l'instruction. Bon. Ce qui est dommage, c'est que quelqu'un qui a une situation médicale, comme ça, qui risque de perdre la vue, et vous lui bloquez, alors qu'il y a une autorisation des autorités françaises pour son entrée là-bas. Le document médical est là, le dossier médical est là. C'est quand même assez choquant. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, il n'a reçu aucune notification d'une décision judiciaire ou administrative. De même pour notre président, pour notre première dame, qui n'ont reçu aucune notification. On a vu la sortie du procureur. Bon, heureusement qu'il n'a cité le nom de personne. C'est la première fois qu'on voit une telle communication d'un procureur de la République qui ne donne pas les références de la décision, qui ne dit pas le nom des personnes, des citoyens visés par la décision. Et c'est quand même dommage. Je crois que nos avocats sont en train de faire le nécessaire. Le procureur Sangaré avait été mis en difficulté après avoir déclaré que c'est lui qui avait émis la décision lorsque le président a été bloqué pour la première fois. Malheureusement, cette décision, il se trouve qu'elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Et il se trouve qu'il l'a emportée dans la tombe. Voilà. Donc, il l'a avoué à nos avocats avant de mourir. C'est une instruction qu'il avait reçue par téléphone et lui, il s'est exécuté.
nous allons profiter de cette Assemblée Générale pour inviter les magistrats, inviter tous les commis d'État à agir de façon professionnelle et avec leur conscience et surtout avec des indépendances. Parce que ces hommes qu'ils servent vont passer. La nation, elle va demeurer. Et le tribunal de l'histoire, il est infaillible. Nous allons ouvrir la rubrique invités spéciaux. Donc, on va accueillir Abdoulkarim Diallo, coordinateur des fédérations UFDG de l'Europe. La régie, si c'est prêt. Monsieur le Président élu de la République de Guinée, mesdames et messieurs les membres du Conseil politique, mesdames et messieurs les membres du Bureau exécutif national, mesdames et messieurs les membres des différentes coordinations UFDG Afrique, Amérique, Europe, mesdames et messieurs les membres de la cellule de communication de l'UFDG, mesdames et messieurs les membres de l'ANAD, chers militants et sympathisants de l'UFDG où que vous soyez dans le monde, je vous dis bonsoir. C'est avec un grand honneur que je participe ce soir en cette 7e auguste Assemblée générale virtuelle de l'UFDG en ma qualité de coordinateur de l'ensemble des 11 fédérations UFDG d'Europe. Je voudrais avant tout, en cet instant précis, rendre un hommage appuyé à nos illustres dévanciers qui ont eu cette magnifique idée de créer cette coordination d'Europe et qui ont travaillé à sa matérialisation. Je vais citer en guise d'exemple honorable Ablaye Baylo Diallo, qui a été un des pionniers et qui malheureusement n'est plus parmi nous. Je vous exhorte humblement de prier en sa mémoire, ainsi que celle de tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Amen. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, permettez-moi au nom de notre coordination de vous féliciter une fois encore pour votre brillante élection à la tête de notre pays à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. L'exercice du pouvoir n'est certes pas encore effectif, mais ce n'est que partie remise, comme cela a été le cas dans notre pays. Cependant, cette victoire est pour nous, militants et sympathisants de notre grand parti, le couronnement d'un long et pénible combat qui a duré une dizaine d'années. Dans ce combat, des centaines de nos militants y ont péri, d'autres ont été handicapés à vie et des milliers d'autres ont perdu leurs biens. Je n'oublie pas nos responsables qui croupissent dans les geôles du régime et ceux qui sont en exil. C'est l'occasion pour nous de rendre à tous ces frères et sœurs l'hommage qu'ils méritent. Permettez-moi également de rappeler quelques actes posés par notre coordination pendant cette élection. L'UFDG Europe est avant tout un socle d'unité, d'entente et d'entraide. C'est le sens même de sa création. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, la coordination UFDG Europe a participé activement à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Elle a tout d'abord, à travers une campagne agressive, mobilisé des fonds qui s'élèvent à plus de 100 000 euros pour financer la campagne. C'est une première. En plus, elle a mis gracieusement à la disposition du parti un outil technique moderne très sophistiqué qui a permis au parti de contrecarrer la fraude et obtenir les résultats à temps. C'est une innovation. J'ose espérer que cet outil technique sera maintenu et amélioré. La coordination a également dépêché une équipe bien étoffée en Guinée pour aider à l'utilisation de cet outil technique mis sur pied. Faudrait-il souligner que cette équipe a joué un rôle central dans la formation et le dispatching des équipes de la commission électorale de notre parti, la compilation des résultats, sans oublier la préparation des preuves matérielles du recours que notre parti a introduit auprès de la Cour constitutionnelle. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, face à son incapacité à résoudre les crises multiformes qui plombent la Guinée, à proposer un cap qui vaille à notre pays, qui s'enfonce et incapable d'assumer son bilan désastreux, le pouvoir en place mène le pays dans une situation désastreuse créée et entretenue par M. Alpha Condé et son régime. D'abord, sur le plan politique, M. Alpha Condé, ayant constaté avec amertume sa défaite lors de l'élection présidentielle du 18 octobre, décida de punir le peuple de Guinée pour avoir osé lui infliger une défaite dans les urnes. C'est ainsi qu'il procéda à l'arrestation des cadres de notre parti en leur collant des chefs d'accusé aux conséquences de la mauvaise gouvernance et de la caisse de l'État. Elles sont totalement vides. Pour les renflouer, l'État augmente à tour de bras. Quant aux caisses de l'État, elles sont totalement vides. Pour les renflouer, l'État augmente à tour de bras les taxes, les impôts, les frais de douane au port et bientôt le prix du carburant à la pompe, sans se soucier des conséquences de ces augmentations sur la vie des citoyens. Un autre problème, et non les moindres, c'est la fermeture des frontières qui occasionne une perte énorme de revenus pour nos producteurs et le manque criard sur le marché de certains produits de grande consommation, tels que le sel qu'on importe de ces pays. Dans ces conditions, comment survivre?
C'est la question à laquelle nos compatriotes font face. Je ne pourrais terminer ce pan de mon discours sans mentionner la destruction sans discernement des maisons et autres kiosques et bars qui constituent des sources de revenus incommensurables à partir desquelles certains de nos compatriotes tiraient l'essentiel de leurs revenus. C'est un véritable désastre auquel nos concitoyens font face. Sur le plan social et sanitaire, notre pays fait face non seulement au coronavirus à l'instar des autres pays, mais aussi à l'épidémie à virus Ebola. Fort heureusement, cette dernière est en train d'être vaincue avec l'aide de la communauté internationale. Par contre, l'épidémie du COVID-19 est en train de faire des ravages. À date, tous les centres de traitement sont totalement occupés. À ce jour, l'État n'a acheté aucun vaccin. Il se contente des dons que lui font ces bienfaiteurs qui sont la Russie et la Chine. Est-ce suffisant? Je dirais non. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de l'analyse de mes observateurs, il ressort que toutes ces politiques répressives ont été savamment orchestrées pour briser l'élan du peuple pris le 18 octobre, en lui imposant un fardeau tellement lourd à porter qu'il ne peut se résigner en ne pensant qu'à sa survie. Sinon, comment un État, fût-il despotique, peut se permettre de soumettre son peuple à de tels sévices? Et pire, leurs discours eux-mêmes laissent entrevoir des lendemains encore beaucoup plus durs. Cet exercice consiste, on le sait, à préparer psychologiquement le peuple à encaisser le coup avant qu'il n'arrive. Diantre, qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter ce sort? Est-ce une fatalité? Je dirais non. C'est plutôt le résultat, comme vous l'avez si éloquemment dit dans un de vos discours, Monsieur le Président, d'une mauvaise gouvernance. Alors, au peuple victime de cette mauvaise gouvernance, de cesser d'être une victime expiatoire résignée, comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Cette lutte dépasse de loin le cadre de notre parti. En dépit de nos propres difficultés de l'heure, elle doit être menée par tous les citoyens. Dans ce cadre, votre appel à un rassemblement de toutes les forces vives de la nation est le bienvenu. J'ose espérer que cet appel va tomber dans des bonnes oreilles, nonobstant les divergences profondes qui caractérisent le climat politique actuel. Ceci dit, ce rassemblement est plus que nécessaire, il est primordial. Le peuple ne doit pas être laissé à son propre sort. Les partis politiques sont là pour l'encadrer et le guider. Et l'UFDG, en tant que première force politique du pays, doit prendre le leadership de cette lutte. C'est à cela, à mon avis, que nous devons nous atteler et en plus de la libération de nos nombreux militants et responsables qui sont en prison, sans oublier également le siège et le quartier général de notre parti. Monsieur Alpha Condé et son gouvernement sont les responsables ultimes de notre sous-développement, de la misère galopante de nos populations, de la corruption endémique, de l'absence d'état de droit et d'une justice injuste, de la violation barbare des droits de nos propres compatriotes, d'une gouvernance archaïque, du manque de vision et d'ambition pour notre nation. Monsieur le Président, une fois au palais Sékou Touré, nous sommes convaincus, avec vous, il nous est loisible de nous organiser, de nous discipliner, de travailler dur, de travailler plus, de cultiver la confiance entre Guinéens et entre les Guinéennes et l'État, et immanquablement le développement partagé et équilibré dans une Guinée moderne qui sera au bout de nos efforts. Vive le président Sédou Dalein Diallo, vive le peuple martyr de Guinée, vive la République de Guinée, je vous remercie. Voilà, merci à Abdoul Karim Diallo pour ce brillant discours. Il a rappelé beaucoup de principes. Et merci pour la motivation. À présent, le deuxième invité spécial, Lansiné Tigibéri Keïta, secrétaire fédéral de Sigiri. Keïta, secrétaire fédéral de l'UFDG Sigiri, diplômé en économie et finance à l'université Ziri Signorelli de Cancan. Je suis très ravi ce soir de faire cette petite vidéo au nom du bureau fédéral de Sigiri pour vous parler de la vie politique de l'UFDG dans notre préfecture Sigiri. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, l'UFDG est représenté dans toutes les sous-préfectures de Sigiri. Et aussi, nous avons des milliers de mouvements de soutien. Donc cela, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de la boutade. Référez-vous sur les résultats issus des urnes pendant les élections présidentielles passées.
vous verrez tout de suite que ce que je vous dis, c'est de la réalité. Il nous suffit seulement d'être soutenus. C'est le soutien qui nous manque. Si on a le soutien, je vous le jure, Sigrin sera la première capitale de l'UFDZ. Aujourd'hui, la population de Sigrin a fait une prise de conscience. Les gens sont dans les regrets. Car le régime d'Alpha Condé n'a rien donné à la Haute-Guinée, précisément à Sigrin, si ce n'est que des fausses promesses. On n'a rien gagné d'Alpha Condé. Donc, la population a fait une prise de conscience. Les gens sont déçus. Le RPG est décédé. Il n'y a plus de RPG à Sigrin. Ça se voit partout. Personne ne parle de RPG. Donc, c'est le grand temps à l'UFDZ de récupérer le terrain. Donc, nous sommes là. Nous avons tous les moyens. C'est le moins. Mettez à disposition, on va récupérer la ville. Donnez-nous les moyens, on va récupérer la ville. Donc, ce que je demande à la diaspora, c'est de nous soutenir. Soutenir la fédération de Sigiri. Nous avons fait des choses. Aya Irakam Bramolla, même les Kokan, même les Guinée. Ni hoti gine kakan ka mo soutenu ni sigri kakan ka bla politicien ko la guinéen en kan kan bla et la soldat le ko parce que la soldat le kra sigri pe et la soldat le kra hoti gine te genani ke la soldat le te sila men kan ni hoti gine sila bedi bibi meno wule ka bokru sa ko apre mali ala ni et la soldat le et pourtant et la soldat le tre poche meno di sigri ka dembra bla poche la a ma chef parce que la hoti gine a plus forte raison sigri donc wani et la soldat le ko. Parce que quand on a l'édition de la Guinée à faire qu'elle a, l'édition de la Guinée à faire qu'elle a. Donc, quand on a l'édition, moi, là, c'est une personne de parole, c'est une personne de confiance. En cas, on a l'entourage, la Guinée qui a caché la Hérème, la Guinée qui a caché la Dahal, la Guinée qui a caché le développement, en Dasson. Donc, la Guinée qui a l'ombre de Malou, Sigirin Kalou, Betan Molou, Agnan Boulou de Nyoma, Agnan Bla, il a su le dalle, il a su le dalle, c'est en bois la Noro. Ensemble, il faut que nous fassions ça. Donc, nous sommes au lycée Bola, nous sommes au lycée la seule d'Alenco. Et mon démédic, c'est ma coïna Kuno, ou l'on a un enfant. Donc, la seule d'Alenco, nous sommes au Blaco, Sigrin, Côte Guinée, la Guinée, Ambra Botoriaro. Donc, nous sommes au Lycée Bola, nous sommes au Lycée Bola, secrétaire fédéral de Sigrin, nous sommes au Joma Tigbiri. Donc, on est au IFDZ, il est le seul d'Alen. Rastina à côté, il est à côté. Même de ces baraques-là, même d'ici. Donc, en cas, il est le seul de la Guinée à faire qu'il a un la Guinée d'Ama. Donc, tu sais comment mène à Bana, je ne peux pas terminer cette petite vidéo sans remercier, comment dirais-je, le Bureau politique national et penser à nos militants qui sont dans les prisons, qui chassent, qui nous sommes de cœur avec eux et prier le bon Dieu qu'il accepte l'âme de tous les martyrs tombés pour la cause de la Guinée dans son paradis éternel. Vive l'UFDZ, vive Ela Sylle Dalein Diallo, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie. Merci, merci à M. Keita. Le cri de cœur est entendu, le message il est bien perçu. Je crois que c'est un message formidable qu'il a délivré. Derrière la communication, derrière le message d'encouragement, il y a une demande qui est faite que la direction nationale va évaluer à juste raison. Voilà, donc on lui promet. Le président dit qu'il a pris bonne note. Et voilà, comme on vous l'avait promis, à tout seigneur, tout honneur, l'heure est venue de passer la parole au président. Monsieur le président. Voilà. Le verre est bon, monsieur. Ah.
Ça va. Très bien. Je voudrais saluer les nombreux militants et sympathisants du Parti qui suivent aujourd'hui cette Assemblée générale virtuelle de l'UFDG. Je voudrais surtout saluer nos compatriotes, non encore membres de l'UFDG, mais qui portent un intérêt particulier à cette rencontre qui est aujourd'hui le moyen dont s'est doté l'UFDG pour pouvoir s'adresser à ses militants suite à la fermeture de notre siège et de nos bureaux. Nous nous sommes rendus compte qu'Alpha Condé n'a pas atteint ses objectifs en fermant nos bureaux. Parce que là, on s'adresse non seulement à un plus grand nombre de militants, mais à beaucoup de compatriotes qui ne sont pas encore des militants de l'UFDG et dont certains ne manqueront pas, comme l'a fait Samuel la dernière fois, d'adhérer à l'UFDG. Alors je vais vous parler de deux choses. La première chose, c'est l'inopportunité d'augmenter le prix du carburant. Comme vous le savez, cette augmentation est annoncée par le gouvernement qui essaye de défendre cette décision qui n'est pas du tout opportune. Pourquoi? D'abord, il faut savoir, j'ai entendu quelqu'un d'entre eux dire que l'État subventionne à hauteur de 140 milliards le carburant dans ce pays. J'ai sous les yeux les chiffres actuels de la structure des prix. Je rappelle que j'ai eu l'opportunité de contribuer à mettre en place ce qu'on a appelé à l'époque la structure des prix des produits pétroliers. Alors aujourd'hui, voilà comment se décompose le litre du carburant que vous achetez à la pompe à 9000 francs. Il y a un prix de revient et puis il y a eu des prélèvements de l'État qu'on appelle impôts et taxes. Le prix de revient du litre d'essence à la pompe, après avoir pris en compte l'ensemble des charges, la rémunération de l'ensemble des acteurs qui interviennent, depuis l'importation jusqu'au transport, jusqu'au stockage, le prix de revient à la pompe est de 6 634 francs guinéens. Et ce prix se décompose comme suit. Le fournisseur étranger qui facture en dollars, mais l'équivalent en francs guinéens de sa facture, c'est 5 128 francs guinéens par litre. Ensuite, vous allez les frais de passage à la SGP, la Société guinéenne de pétrole, le dépôt. Chaque litre paye 100 francs guinéens. La péréquation transport. Lorsqu'on a négocié la privatisation de l'ONA, du secteur pétrolier, on avait décidé de suggérer au gouvernement, qu'il avait accepté, que le citoyen de Yomou ou de Lola paye le même prix à la pompe que le citoyen de Koya ou de Kaloum. Donc il y a une péréquation transport qui est mise en place pour payer le transport sur l'ensemble du pays. Et pour chaque litre, on prélève 550 francs guinéens pour assurer le transport du carburant sur l'ensemble du territoire. Il y a les importateurs, les grandes compagnies, Total, Shell, enfin Shell s'appelle maintenant autre chose. Ces importateurs qui payent, qui importent le carburant avant de le distribuer, donc ils ont une rémunération de leur implication dans le processus. Sur chaque litre, on leur paye 555 francs guinéens. Les distributeurs, c'est-à-dire les propriétaires de stations, ils ont une marge par litre. Eux, ils reçoivent 300 francs guinéens par litre, ce qui fait un total de 6 634. Le total des prélèvements de l'État et de ses démembrements,
c'est 2366 francs guinéens qui se décomposent comme suit. Vous avez les droits et taxes divers qui font 2330, c'est-à-dire 1643 plus 687 de droits de douane, ce qui fait 2330. Mais à cela, vous ajoutez deux montants faibles, mais prélevés par l'État. Vous avez l'ONAP, Office national des pétroles. L'État a mis en place une structure dont le fonctionnement est assuré par vous et moi chaque fois qu'on achète un litre d'essence. Donc nous payons à ce titre 20 francs par litre. Et vous avez un projet de délocalisation du dépôt pour construire le dépôt ailleurs. Sur chaque litre, chacun de nous paye 17 francs guinéens. Alors, l'ensemble des prélèvements opérés par l'État représente donc 2366 francs guinéens. Alors, où est le problème? C'est que l'État avait budgétisé beaucoup plus de prélèvements. Maintenant, comme entre-temps, la monnaie s'est dépréciée, et le prix du carburant est monté sur le marché international, le prix qui devait revenir ici à moins de 4 000 francs est à 5 128. Donc le facteur d'ajustement, c'est la taxe. La taxe s'est réduite, mais chaque fois que vous achetez un litre de carburant, sachez que vous payez pour l'État, au titre des différents impôts et taxes, 2366 francs guinéens, soit 26% du prix à la pompe. Vous pouvez comprendre que l'État n'a pas perçu tout ce qu'il a budgétisé ou tout ce qu'il souhaite, mais l'État ne subventionne pas. L'État ne prélève pas autant qu'il avait prévu, mais il prélève quand même. Donc lorsqu'ils assurent qu'ils assument qu'ils subventionnent le carburant, on se demande vraiment avec quelle sorcellerie. Parce que le prix de revient à la pompe, après avoir payé toutes les charges, je vous l'ai dit, c'est 6634 francs guinéens. Donc nous payons de l'impôt sur le carburant. Pour le moment, ce n'est pas l'État qui nous aide à supporter. Il faut que ça soit dit. Alors, le titre, je voulais vous dire que ce n'est pas opportun actuellement, réellement, d'augmenter les prix du carburant. Pourquoi? D'abord, nous sommes en crise économique et sanitaire. Les conditions de vie sont difficiles. L'inflation est forte. On a 12 ou 13% d'inflation. Je vous ai expliqué pourquoi cette inflation. Les prix sont montés. Il faut être juste. Il y a eu quelque part une augmentation du fret maritime suite aux conséquences de la pandémie. Mais il y a eu la mauvaise politique budgétaire et monétaire de l'État. Pourquoi? L'État a organisé 3 scrutins en 2020. Alpha a dit, je ne veux pas le financement de l'Union européenne et de l'OIF ni des Nations unies, parce que je ne veux pas que quelqu'un fourre son nez dans mes élections. Il y avait des fonds disponibles. Donc, on a financé ces 3 opérations, ces 3 coups d'État constitutionnel et électoral, en achetant les consciences, mais également en commandant du matériel. Donc, l'État n'ayant pas suffisamment de ressources, la planche à billets a été utilisée. En 2020, la masse monétaire a augmenté de 23%. Parce que l'État n'ayant pas d'argent, demande à la Banque centrale de financer, ou l'argent que l'État recouvre auprès des contribuables, c'est pour les poches du clan. Donc, on a utilisé la planche à billets et naturellement, la conséquence immédiate, c'est que les prix augmentent. Et donc, c'est pour combler ces déficits créés par les détournements, la corruption, mais également le financement voulu des élections, du double scrutin d'une part et l'élection présidentielle de 2020, c'est ce qui a créé les déficits. Et maintenant, il faut qu'on demande aux pauvres citoyens de payer. Et c'est ça, c'est pourquoi c'est inopportun. Mais nous sommes dans un contexte aujourd'hui. Bientôt, la période de soudure. Vous savez, pendant cette période de soudure, les greniers sont vides.
Les récoltes sont attendues pour octobre-novembre. Les paysans ont compensé ce déficit par l'importation de céréales, notamment du riz. Mais vous connaissez l'état de nos infrastructures. Le prix du transport est déjà trop élevé en raison des charges d'entretien des véhicules qui résultent du mauvais état de la route. Je vous donne des exemples parce que, ayant le souci des conditions dans lesquelles vit mon peuple, j'ai cherché à savoir. Alors, depuis que la route s'est fortement dégradée, le transport d'une tonne de riz de Conakry et Sigiri est passé de 45 000 à 600 000. Ah ouais, mais lorsque le camion va à Sigiri, avant qu'il ne rebile, il faut charger les lames, les camions remorquent les lames de ressort, il faut changer parfois les pneus, il faut changer, et donc il faut bien que le transporteur ne tombe pas en faillite, il est obligé d'augmenter le prix de transport. Et donc le sac de riz qui arrive à Sigiri, et qui va arriver à Sigiri dans cette période de soudure, va aussi être obéré par cette augmentation annoncée du prix du carburant. Et je donne les... Prenez Télémélé à côté, puisque vous connaissez la route Kindia-Télémélé, même Conakry-Kindia. Alors à Télémélé, on pouvait transporter la tonne de riz à 300 000. Maintenant, c'est 450 000 d'ici Télémélé, en raison de l'état du réseau routier. Vous connaissez la route de Télémélé. Actuellement, les ressortissants sont en train de cotiser pour essayer d'éliminer les points critiques sur cette route. Alors que le fonds d'entretien, tout l'argent qui est rentré là-dedans, eh bien, c'est sorti pour le double scrutin et l'élection présidentielle du 18 octobre. Alors, moi j'ai dit, en augmentant le prix du carburant, même si les denrées de première nécessité sont disponibles, mais elles ne seront pas accessibles à l'écrasante majorité des Guinéens, dont les revenus se sont fortement rétrécis, contractés ces derniers temps en raison de la pandémie et de l'inflation. Donc ce n'est pas le moment, c'est vraiment inopportun et les arguments que développe le gouvernement ne sont pas pertinents, pas du tout. Parce que d'abord, il prélève, pas suffisamment comme il le veut, mais il prélève quand même. On ne décaisse pas pour financer l'importation, la consommation du carburant. Chacun de nous paye. Vous payez l'entretien routier. Parce que il y a 250 francs par litre que vous et moi, on paye pour l'entretien routier. Vous savez que les routes ne sont pas entretenues. Ça va dans la poche du clan et ça a permis de financer autre chose. C'est pourquoi l'état de notre réseau routier est dans l'état que vous connaissez. Donc, maintenant, ils utilisent d'autres arguments. Ils disent non, si nos prix sont bas et qu'à côté les prix ne sont pas aussi bas, il y a un risque de réexportation. Sur le plan économique, c'est neutre. Ils pensent que je ne suis pas pour la fraude. Je suis contre la fraude. Si je suis président, lorsque je serai en train d'exercer le pouvoir demain, je me battrai pour la fraude. Mais la réexportation n'a pas d'effet. Parce qu'ils disent, ouais, c'est nos devises qui financent la consommation des autres. Mais le carburant qu'on importe ici, on paye déjà l'impôt. On paye déjà les 2366 d'impôts au trésor. C'est que le Léonais qui importe son carburant de Guinée, le carburant l'a déjà payé d'impôts. Et pour l'acheter, il est obligé d'utiliser la Léone. Et qui vient au marché de change, officiel ou parallèle, il y a un seul marché de change. Ou alors, il finance des importations à partir de la Sierra Leone pour ici. Donc, du point de vue des réserves de change et de la balance de paiement, il n'y a pas d'effet. Parce que si vous exportez le pétrole qui a déjà payé les taxes ici, et vous importez du lait, de l'huile palme ou je ne sais quoi, de la farine de Sierra Leone, ça signifie qu'il n'y a pas d'impact. Et sur le plan des finances publiques, c'est un avantage. Parce que vous prenez les peu d'impôts pour ravitailler la région et la région consomme des produits qui ont payé les taxes ici et non prélevés par le fisc de leur pays. Donc ça, c'est par ignorance que certains soutiennent que c'est dangereux. Ceci dit,
Je suis contre la fraude. Cette exportation par la fraude n'est pas une bonne chose. Mais cependant, sur le plan économique, il n'y a pas d'incidence. Alors, ensuite, la flexibilité des prix à la pompe est une décision. Mais lorsque le prix du carburant baisse, l'État refuse d'ajuster à la pompe. Et en ce moment, il fait des plus-values. Puisque le prix à la pompe reste le même. Et le prix CIF à Conakry baisse parce que les cours à l'international ont baissé. Mais il refuse d'ajuster, de réduire le prix à la pompe. Alors qu'on a accepté, dans un cadre de dialogue, et même on a fait de ça une loi, le principe de flexibilité des prix. Si ça monte, on monte à la pompe. Si ça descend, eh bien, on descend. Mais lorsque le prix descend, on ne réduit pas le prix à la pompe. Mais lorsqu'il monte, ils disent, il faut ajuster. C'est pas honnête. Et lorsque le prix du pétrole a dégringolé, il a eu beaucoup de plus-value par rapport à ce qu'il devait recevoir. Mais ces plus-values devaient financer maintenant les moins-values de maintenant. Étant donné que nous sommes dans un contexte de difficulté particulière, les conditions sont extrêmement difficiles, de vie sont extrêmement difficiles aujourd'hui. Mais il semble que le gouvernement Alpha Condé, qui n'a cure des conditions de vie des citoyens, veut malgré tout augmenter le prix et compliquer davantage la vie à ses compatriotes. Alors ça, il faut que vous compreniez, l'État, ils tiennent à ça parce qu'il y a des déficits, le fonds et la banque demandent d'accroître les impôts. Ils ont augmenté beaucoup de droits et taxes, mais le pétrole, compte tenu de l'incidence de son prix sur l'ensemble des biens et des services échangés dans le pays, et compte tenu de la crise sanitaire et économique que nous vivons, et compte tenu de l'arrivée très prochaine de la période de soudure, on ne devrait pas le faire. Vraiment, si on a pitié des gens, et on a envie plutôt d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Alors, le deuxième problème que je souhaiterais traiter, c'est les cimetières de Bambeto et de Kapororaï. Je suis indigné. Je suis vraiment indigné. Parce que selon des rumeurs concordantes, Alpha Condé a décidé non seulement de fermer, mais de faire déguerpir ces cimetières, les ossements de ses compatriotes. À un moment donné, nous avions pensé que face à l'indignation suscitée par ce projet immoral du gouvernement, on avait pensé qu'ils avaient renoncé au projet. Dans notre culture, on respecte les morts. On vénère ses aïeux, ses enfants. Et on vient souvent se recueillir sous leur tombe. C'est moins de 10 hectares de cimetière. Un hectare. Qu'est-ce que cela coûte? On devrait étendre, réserver une zone plus grande pour les cimetières de presque toute une commune. Clôturer ça, il n'y aura plus d'extension après ça, parce qu'on va viabiliser le reste et puis faire de Coloma le quartier administratif. Mais non, il semble qu'Alpha a donné des instructions. Alors, il veut choquer, agresser les morts et choquer les survivants. Avant que les manifestants ne soient enterrés là, depuis 40 ans, les habitants des quartiers riverains enterraient leurs morts dans ces cimetières. Mais la haine qu'il a contre ses opposants, parce que c'est surtout peut-être ses opposants. Les manifestants qui ont été enterrés là, ils ont plus de 200. Au cimetière de Bambeto.
des gens qu'on a abattus, qui n'ont pas eu droit à la compassion, du gouvernement, qui n'ont pas eu droit à la moindre justice. On est venu déguerpir leurs parents parfois, détruire leurs abris. Aujourd'hui, on veut faire la guerre aux morts pour fatiguer les survivants. Mais on, des fois, on se pose la question, est-ce que c'est des monstres qui nous gouvernent? La vie d'un être humain, même s'il n'est pas ton compatriote, mais lorsqu'il est ton compatriote, comment peux-tu avoir des sentiments aussi inhumains vis-à-vis de ces gens? Dans notre culture de Guinée, nous avons un respect religieux pour les morts et pour les cimetières où nos morts sont ensevelis. Kalemudela, sur une route internationale, Doko-Kouremalé, il y a un hameau dont le cimetière était touché par l'emprise de la route internationale. Lorsqu'on était en tournée là-bas, le hameau, les sages du hameau sont venus nous expliquer. C'est là que reposent leurs ancêtres, leurs patriarches et leurs proches. Ils nous ont prié de déplacer, de ne pas faire passer la route là. Nous nous sommes retrouvés avec l'ingénieur et l'entreprise, on a déplacé. Il est là. Je vois. On a déplacé pour épargner le cimetière, parce que nous savons ce que ça représente pour eux. C'est leur mort, c'est leur père, c'est leur grand-père, parfois c'est leurs enfants. Mais comment peut-on s'attaquer à un cimetière? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que les Guinéens comprennent. C'est des monstres insensibles à tous les plaidoyers qui ont été faits, à toutes les démarches qui ont été menées par les autorités morales, des religieux, les habitants des quartiers riverains de ces cimetières. C'est une partie de nous-mêmes qui est dans ces cimetières. Épargnez-nous. Et qu'est-ce que ça la gêne? On pouvait agrandir les surfaces, clôturer collement. C'est bien un équipement collectif, le cimetière, qui appartient à toute la Guinée. Non, il faut nettoyer. Certainement parce que mes opposants sont là, jusqu'au cimetière. On avait déjà gazé le cimetière. On a gazé déjà les fidèles qui priaient sur le corps de ses opposants. Maintenant, il faut aller déterrer et jeter leurs ossements. C'est inacceptable. Donc, je ne vais pas vous ennuyer. Je ne vous ennuie pas, je sais. Je vais arrêter là, compte tenu du retard qu'on a enregistré. On n'a pas pu commencer à l'heure. Mais il faut savoir qu'on est mal gouverné. On est mal gouverné. Les deux points que j'ai traités, j'avais un autre sujet. Mais j'ai estimé que c'était plus urgent de parler de ça. Parce que hier, j'ai reçu la confirmation que Alpha revient sur sa décision, il faut dégager du cimetière de Kapororaï et de Bambeto. Et j'ai reçu aussi des rumeurs disant qu'ils vont augmenter le prix du carburant. J'ai pitié de Guinéens, de mes compatriotes. Ce n'est pas le moment. Je peux accepter que le prix soit ajusté, mais pas pendant cette crise et à la veille de la période de soudure. Je sais comment on vit dans les villages à l'heure actuelle. Et les gens ne peuvent s'alimenter que lorsqu'ils achètent le riz importé, parce que les greniers sont vides. Ce n'est pas dans une région, c'est dans toutes les régions. Je ne parle pas seulement des gens qui habitent les villes. Mais on ne pense pas aux Guinéens. C'est ça le problème, le manque d'humanisme de nos dirigeants. Et c'est ça qu'on déplore. Et c'est pourquoi nous devons continuer le combat. Pour que la Guinée soit dirigée humainement, que les Guinéens soient réconciliés, que la haine et la violence soient écartées, et qu'on ait des chefs, des dirigeants qui ont pitié de ce peuple. Pas seulement ceux qu'on connaît, mais même ceux qu'on ne connaît pas. Lorsque tu es un bon dirigeant, tu dois savoir comment les gens vivent.
Les gens sont confrontés à la faim et à la malnutrition. La faim. On va aggraver le prix de denrée, augmenter les prix de denrée. Les gens avaient déjà des difficultés à faire un repas par jour. Et ils vont se retrouver encore dans une situation où il est impossible de nourrir tes enfants. Lorsque tu regardes ton enfant qui a faim, tu n'as pas les moyens de le nourrir. Tu as honte de ton enfant et de ta honte de toi-même. Ce n'est pas le moment d'aggraver cette situation déjà fortement dégradée. Je vous remercie. Merci, merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci, Monsieur le Président, chers invités, messieurs, mesdames, les participants à la présente Assemblée Générale. Ainsi, elle s'achève. Nous vous souhaitons un bonsoir chez vous, dans l'espoir de vous retrouver plus nombreux à la prochaine Assemblée Générale qui vous sera annoncée très bientôt. Je vous remercie.